Pour les gens qui sont déjà là, bonjour à tous. Je vous rappelle que ma qualité vidéo n'est pas extraordinaire ici, donc c'est pas dit que la vidéo soit top. Par contre, je vois vos commentaires, je vous lis, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je suis là pour ça. Alors faites-moi signe, je ne sais pas si chez vous ça marche ou pas, étant donné que chez moi, j'arrive pas à le lancer depuis mon ordinateur. Donc s'il y a du monde, manifestez-vous. Merci Nibor de te manifester. Donc il y a quand même chez des gens chez qui ça marche a priori. C'est rassurant. Ok Marine, merci de l'info. Bon, en plus je suis au crayon, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Oui Estelle, je sais, je fais de mon mieux, mais bon, les crayonnés ça va vite chez moi, donc dans quelques instants on pourra sûrement passer à la partie ancrage. Pour ceux qui donc écoutent, vous êtes quand même 43, c'est pas mal. Je suis en train de dessiner la page 7 du tome 7 d'Orphée d'Acide, les cases 8 et 9, donc les deux avant-dernières cases. Où en gros on est dans la partie où le narrateur s'oppose à ce que les personnages se séparent pour visiter les différents couloirs du souterrain. Donc il y a des persos partout, c'est ingérable, c'est tout. Et ici donc Enoriel qui le dit, ah oui d'accord, ok, ça c'est vraiment un roleplay. Voilà, donc c'est pas des cases très compliquées. Donc ça devrait aller assez vite.
En tout cas, vous avez plus de chance que moi. Sur mon ordinateur, il n'y a toujours pas moyen de lancer ce truc-là correctement. Ça ne veut pas. Quelqu'un sait si on peut faire le même genre de choses avec avec YouTube ou pas? Ah, avant de répondre à cette question, Nibor qui me demande si je travaille toujours à l'ancienne ou est-ce que ça m'arrive de travailler avec une tablette graphique. Eh ben écoute, Nibor, généralement je bosse quand même avec enfin, de façon à l'ancienne, comme tu dis, puisque je préfère, je suis plus à l'aise sur du papier, mais ça m'empêche pas d'avoir la tablette graphique. Tout se fout le camp, on voit rien, il fait trop noir. Ah, enfin bon, ce gros pâté noir est une Cintiq. Voilà, on la voit un peu mieux. Voilà, hein, qui me sert, enfin qui m'a beaucoup servi pour faire des albums auparavant, notamment la fin de Reflet d'Acide 3 et Reflet d'Acide 4 intégralement, ou pas loin en tout cas. Et du coup, après, je suis revenu sur mon papier, je préfère, je suis plus à l'aise. Voilà. Ok, Estelle, merci. Bah, j'irai voir parce que c'est vrai que c'est quand même pratique de faire des vidéos comme ça, mais ce serait mieux de pouvoir les conserver sur la chaîne YouTube plutôt que sur Facebook. Donc, j'essaierai de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ça à l'occasion. Donc voilà, nous avons une base d'Enoriel. Tada! C'était pas très très long. Hein. Sachant que là, c'est des cases où il y a quasiment, enfin, il n'y a pas de décor derrière, donc c'est vrai que ça va très très vite. Hein. Ici, je vais juste me dessiner les silhouettes en fait de nos héros, mais qui vont être vues en noir, donc ça n'est pas très compliqué. Technique que j'utilise de temps en temps. Oui, Gilles, effectivement, oui, je peux les mettre sur YouTube par la suite, mais en fait, là, comme je passe directement via Facebook, je ne sais pas si je peux les enregistrer derrière, en fait. Donc, faut que je me renseigne, j'avoue, je suis pas toujours très doué avec ces machins-là, donc ça doit être faisable, effectivement, ou soit de les extraire de Facebook ou un truc comme ça, pour vraiment que je vois un peu comment ça marche. Un petit élément de décor avec un petit pilier derrière Enoriel quand même histoire de d'habiller un peu cette case parce que sinon c'est un peu tristouné quand même. Hop là, maintenant, ancrage.
Première étape de l'ancrage, pour ceux que ça intéresse, ou ceux qui ne l'auraient pas encore su. Je travaille en 0,05 d'abord pour tout repasser, et ensuite je vais créer des épaisseurs avec des stylos plus épais, justement. Nibor qui me dit, c'est jamais tristouné d'avoir RDR en bande dessinée. Bah oui, effectivement, c'est plutôt sympa quand même. On va penser à une petite musique d'ambiance à l'occasion. Quoique, je sais pas ce que ça va donner si je mets de la musique avec l'ordinateur derrière. Je suis pas sûr que ce soit très agréable à entendre. Ah, Nibor qui me. Donc, toujours Nibor, très actif, merci Nibor d'animer avec moi cette petite vidéo. Qui me demande cette question posée souvent, mais qui mérite d'être remise au goût du jour. Comment est-ce que j'ai eu le projet RDA? Est-ce que c'est JB qui m'a contacté ou est-ce l'inverse ou autre chose? Alors, à la base, c'est moi. Enfin, il faut savoir que en fait, Clair de Lune avait déjà donc le donjon de Nullbuck, hein, les éditions Clair de Lune. Et avait assez naturellement contacté JBX pour comment s'appelle pour ah je trouve pas mon mot pour, en plus on parle en même temps enfin on parle il y a des commentaires en même temps. Alors Gilles, je reviens vers toi juste après, mais je prends bonne note de tes infos sur les caméras. Donc je reprends refait d'acide. Donc oui, donc Claire de Lune avait contacté JBX avec le projet de faire une BD. Je sais que Marion Poinçon notamment avait fait quelques essais. Et puis moi, en fait, à peu près à la même époque, j'étais en train de finir également chez Clair de Lune. C'était quoi la tour de Kila à l'époque? Et puis j'avais contacté également JBX en disant voilà, bah moi, j'aimerais bien faire une BD là-dessus parce que bah, j'écoute, j'aime bien, donc voilà. Et il m'avait dit bah oui, c'est gentil, mais malheureusement, on est déjà avec un dessinateur potentiel sur le projet, donc c'est vrai que bah, c'est pas trop possible. Donc ça a été resté là, je crois que ça c'était en 2009, et puis comme début 2010, je voyais toujours pas de BD Reflet d'acide annoncé chez Clair de Lune, bah, j'ai recontacté JBX en disant bon bah qu'est-ce qui se passe? En me disant éventuellement peut-être qu'il y avait un créneau à prendre, on sait jamais, et du coup il m'a dit que le dessinateur qui était sur le projet à l'origine s'était pas senti plus ou moins les épaules pour un tel projet, donc bah, j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai harcelé avec plein de dessins pendant une dizaine de jours, et bah, à force de le harceler, ça lui a bien plu, et puis bah, on a proposé à. Enfin, il m'a dit, parce que je ne savais pas que c'était Clair de Lune qui lui avait proposé ce truc-là, donc comme je bossais également avec eux, ben, je me suis dit, bah, voilà, c'est parti, on y va, qu'on propose, et puis on voit si ça passe. Et c'est passé, et depuis, bah, vous suivez les BD. Voilà. C'est une belle histoire, hein. On me signale que ma connexion faiblit, donc il se peut que vous voyez pas grand-chose ou vous m'entendiez pas bien.
En tout cas, merci, vous êtes presque 70 à suivre cette petite vidéo, donc ça me fait plaisir de ne pas me sentir tout seul à bosser le samedi après-midi. Alors, Estelle me demande si je décide seul du contenu des cases ou si on se réunit avec JBX pour nous concerter avant. Alors, au début, JB m'envoyait vraiment un découpage assez précis, en fait, avec les cases, même d'ailleurs quasiment un pré-découpage. Et puis avec donc le contenu de chaque case. Après, bon, j'avais la liberté par contre de choisir les angles de vue qui me convenaient. Et progressivement, on est allé vers une méthode où j'ai un peu plus d'autonomie, c'est-à-dire que maintenant, il m'envoie juste le script de l'épisode, avec ce qu'on pense qu'il va tenir à peu près dans l'album. C'est moi qui fais le découpage planche à planche pour mieux gérer la partie, va dire, action éventuellement, pour pouvoir me donner plus d'espace par rapport au texte. Enfin, je me dis, bah tiens, là, il faudrait que j'ai un peu plus de cases et compagnie. Donc on a commencé à faire ça à partir du tome 5. Et éventuellement, décider également s'il y a de la place pour un peu d'inédit ou un petit peu d'ajout, autre chose comme ça, ou au contraire, si parfois il y a des choses qu'il faut un peu compacter. C'est-à-dire, par exemple, au début, on gardait vraiment chacune des phrases du script. Hein, et là, par exemple, il y a beaucoup de A, de pff, de A bon, de O, de I, de U, enfin de choses qui viennent rythmer l'audio, mais qu'on ne va pas garder à l'écrit parce que bah, ça alourdit et c'est pas forcément idéal. Donc voilà, maintenant c'est vrai que je travaille directement du script et c'est moi qui fais le découpage et compagnie. Évidemment, JBX me valide tout ça à la fin. S'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, ce qui est pour l'instant rarement le cas, heureusement, bah je reprends évidemment. On se met d'accord comme un minimum. Oui, coucou Romain, ce coup-ci tu rates pas l'action. Alors, Florian me dit, travaillant sur mon projet de fin d'année en ce moment même, ça fait en effet plaisir de ne pas travailler tout seul en ce samedi grisâtre. Bisous de Belgique. Eh bien, écoute, bisous de la région lyonnaise. Et chez qui? Enfin, chez nous, ça c'est pas trop. Un coup, il fait gris, un coup, il fait soleil. Ça, on n'est pas trop sûr. C'est un peu hésitant. Alors, ah, j'adore les pseudos. Crematorians Warfen qui me demande, enfin qui me dit d'abord, et je le remercie, que je lui donne envie de dessiner avec mon live. Et bah écoute, tant mieux, il faut y aller au boulot. Et qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du dessin et de la BD? Et est-ce que j'ai fait des études dans ce sens? Alors, c'est compliqué enfin compliqué, façon de parler. En fait, je fais de la BD depuis quasiment aussi longtemps que je me souvienne, parce que mes parents, enfin mon père, pardon, et puis plus tard mon beau-père étaient tous les deux des gros lecteurs de BD. Donc, merci maman, les a bien choisis. Du coup, j'ai toujours été dans la BD, enfin dans la lecture de BD depuis tout petit. Donc, j'ai toujours dessiné assez rapidement les Gaston, les Boule et Bill, les Astérix et compagnie. Et puis, par la suite, forcément, années 80 oblige, Club Dorothée, Dragon Ball, Saint Seiya. Puis alors là, c'était encore pire qu'avant. Plus la grande époque du renouveau des Walt Disney, donc bon, ça a laissé moins de traces dans mon style de dessin que notamment les mangas. Mais voilà, donc il y a eu une période comme ça, on va dire. Moi je suis né en 80, je me souviens pas d'une époque où j'ai pas tenu un crayon. Donc c'est vrai que c'est après une question simple et compliquée parce qu'il n'y a pas de raison vraiment de dessiner. Je sais pas, je dessine parce que j'aime ça a toujours été naturel quoi. Je me suis jamais vraiment posé la question et il n'y a pas eu de période où je me suis dit tiens, je vais me mettre à dessiner puisque je l'avais toujours fait.
Voilà, donc après, pour ce qui est des études, j'ai pas suivi vraiment d'études en ce sens, parce que j'ai tenté une école d'art à Paris, l'école Estienne, pour ceux qui connaissent. Et puis, ça s'est pas bien passé du tout. Donc j'ai laissé pisser, comme on dit. Et je me suis, par contre, le truc qui était sympa, c'est que bah, c'était dans les années 2000, au tout début des années 2000. Donc c'était le début des grosses conventions, des gros festivals manga sur Paris. Donc j'ai découvert des gens qui faisaient du fanzina, je m'y suis mis aussi. J'ai fait mes premiers albums, entre guillemets, sur ce format-là, donc en fanzine. Donc j'ai appris beaucoup de choses, hein. Imaginez-vous que j'étais à la deuxième et à la troisième édition de Japan Expo quand il y avait allez, 2 à 5 000 personnes qui y allaient, même pas. Donc ça ramène à loin. Et voilà, puis dans le même temps, tant que j'étais sur Paris toujours, j'ai rencontré aussi des auteurs de bande dessinée pro. Et bah, du coup, j'ai pris contact avec eux, ça m'a permis d'avoir quelques conseils, quoi. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas fait d'études particulières, parce que finalement, les seules études que j'ai fait jusqu'au bout, c'était après avoir décidé de faire la bande dessinée, quand j'ai quitté Paris, que je suis rentré à Lyon, et que j'ai fait des études de biologie. Donc, rien à voir. Il y en a qui me connaissent un peu, qui doivent en avoir marre d'entendre toujours cette même histoire, mais moi, j'aime bien la raconter. Voilà. Bon, après, je sais pas combien de temps je vais maintenir le live. Hein. Enfin, Facebook me dit qu'à 30 minutes ça doit couper, mais l'autre fois on a tenu plus longtemps. Et accessoirement, il y a bien un moment où ma femme va rentrer de sa petite balade, et évidemment, vous vous doutez bien que je vous laisserai à ce moment-là. Donc je vous préviendrai, mais je ne sais pas du tout combien de temps on va rester en ligne ou pas. Je rigole parce qu'il y a les voitures qui passent en bas dans la rue et de temps en temps il y en a qui ont la musique à donf. Et là, je viens d'entendre les. Je crois avoir reconnu la chanson des Kids United et je me dis, il y a peut-être un pauvre papa ou une pauvre maman qui se tape en boucle les chansons pour les enfants avec ses gamins depuis je ne sais combien de temps de route et ça doit faire mal à la tête au bout d'un moment. Voilà, c'est super compliqué comme case. Bon, vous vous imaginez qu'ici au-dessus, en fait, il y aura le narrateur avec un gros texte. Hein. Et là, c'est pareil. Il y a, que je dise pas de bêtises, ici le narrateur et ici la phrase des noirs. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des blancs qui sont laissés. Hein. Et d'autant que le petit côté silhouette entièrement en noir, ça m'a toujours fait marrer. Donc voilà, ça c'était la première étape. Faut que j'arrête de dire donc voilà tout le temps. Première étape de l'ancrage, hein, le tout au 005. Un bon coup de gomme là-dessus. Ça devrait logiquement faire ramer à mort la vidéo parce que ça va vite. Là. Moi, j'arrive toujours pas à lancer le live chez moi. Pas très pratique. Y a une vidéo, peut-être une question que j'avais ratée a priori, et qui s'est pas affichée encore sur. Attends, je regarde, qui s'est pas affichée sur le fil de la vidéo directement. J'ai pas l'impression.
Alors, c'est Alexandre qui me demande, pour le passage de RDH et Delcourt, y aura-t-il quelques changements de format, etc. Alexandre, j'espère que tu es toujours là pour entendre les réponses. Alors, le format, on va essayer de rester assez proche de celui de Clair de Lune. Pour la simple et bonne raison qu'on sait que vous aimez bien vos collections et qu'elles restent comme il faut, enfin, à peu près cohérentes et homogènes. Donc, on va essayer de se maintenir sur le format d'origine. La collection correspondante chez Delcourt s'appelle Terre de Légende. Elle est assez proche. C'est pas tout à fait à 100% la même, mais à quelques millimètres près, ça doit être à peu près la même chose. En termes de mise en page, on gardera le même logo. On gardera, donc sur la tranche, on gardera le même logo. Ce sera peut-être pas tout à fait aligné. Bon, les couvertures vont changer et à l'intérieur de l'album, le contenu des planches en tant que tel ne changera pas. Hein, on gardera exactement les mêmes planches que ce qu'il y avait. La seule différence, ce sera au niveau de la maquette autour, c'est-à-dire qu'au niveau de la page titre, au lieu d'avoir juste, comme sur les anciens, la reprise de la couverture en noir et blanc, là on aura dorénavant une page blanche avec une illustration vraiment de personnages spécifiques réalisés exprès pour l'album. Et les pages qu'on appelle les pages de garde, donc là où vous avez sur le fond de parchemin pour l'instant les protagonistes qui sont présentés, vous aurez la même chose, mais au lieu d'avoir un noir et blanc sur fond de parchemin, vous l'aurez intégralement en couleur, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà à peu près pour les changements. A priori, je vois pas toutes les questions qu'on me pose ou tous les commentaires. Donc, bon, Romain, la question sur ma femme et la grossesse, bon, c'est perso, mais oui, ça va. Voilà, tout se passe bien. Donc là, je suis juste en train de cercler en fait en noir plus épais les contours de toutes les zones de noir que je vais devoir ensuite remplir. C'est pas la partie la plus ludique. Gens qui partagent la vidéo, mais c'est la fête. Ah, Estelle me demande si c'est pas trop chiant d'être gaucher pour dessiner. Bah, non. Non, je. Non, non. D'ailleurs, ça m'a jamais dérangé pour écrire non plus. Il suffit d'adapter un peu le coup de poignet, mais globalement, non, ça se fait bien. Hein. Bon, la légende du gaucher qui écrit mal ou qui en fout partout, je ne connais pas. Donc en dessin, c'est plus facile d'adapter. Comme tu as pu constater, j'ai tendance à partir plutôt de la droite pour revenir à la gauche. En dessin, c'est pratique, mais à l'écrit, ça me dérange pas spécialement non plus, quoi. Vous avez vu, c'est du niveau CM2 là. Bon bah heureusement que j'ai Facebook allumé sur l'ordinateur parce que sur le téléphone avec lequel je filme, ça ne m'affiche même plus vos commentaires. Donc heureusement que Facebook prend le relais. J'ai essayé pour la énième fois de lancer la vidéo chez moi, mais ça n'a pas l'air de vouloir marcher du tout.
Alors, ceci étant, remplissage de noir. Ma passion. Pour adoucir un peu le menton des Noriel sur lequel j'ai été un brin généreux. Alors Benjamin Pouvreau, salutations monsieur l'artiste, pas de questions, juste un big up pour tes albums RDA qui sont géniaux, particulièrement la façon dont tu passes les sentiments dans les visages des personnages bien représentatifs de la saga. Eh bien écoute Benjamin, je te remercie, ça fait super plaisir à lire. Même si je sais que des fois je suis pas forcément 100% en adéquation avec les expressions de l'audio, puisque j'ai tendance à rester un petit peu maintenant plus sur le... Sur le script et le ressenti, parce que pour détacher un tout petit peu la BD de l'audio par rapport au lectorat existant des, bah de tous les lecteurs, enfin, ouais, tous les lecteurs qu'on a qui ne connaissent pas l'audio en fait, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, bon, il faut le savoir. Donc c'est vrai que j'essaye un petit peu de donner une espèce d'autonomie à la BD pour qu'elle soit quand même bien lisible en tant que telle. Donc des fois, certaines phrases qui pouvaient passer correctement à l'audio avec une telle expression, parce qu'il y a une intonation, c'est pas forcément toujours évident à l'écrit, donc des fois c'est pas. C'est pas tout à fait les mêmes expressions dans un cas comme dans l'autre. J'aime bien dessiner avec le feutre à bleu, enfin colorier, entre guillemets, avec le feutre pinceau, mais ça oblige à toute une gymnastique. Des fois, pour être dans la finesse comme il faut, on se retrouve régulièrement à dessiner à l'envers. Capucine, tu dessines trop bien. Merci Capucine. Enfin là tout de suite, c'est quand même pas très impressionnant. Florian qui est abonné, merci Florian. Romain qui me dit, t'arrives à avoir des loupés qui se font pile à la fin de l'ancrage, comme je te vois jamais te planter, ça me taraude. Ouais, ça m'arrive en général, après du coup je triche pour que ça passe, ou au pire du pire si c'est vraiment pas récupérable. Bon, c'est quand même pas souvent parce que, bon bah, c'est comme toi en menuiserie si je me souviens bien, je pense qu'à force de faire toujours les mêmes gestes, tu finis par prendre des réflexes, des habitudes qui font que tu te trompes beaucoup moins qu'avant. En dessin c'est pareil, hein, mais bon ça arrive encore. Un truc qui dépasse, un truc qui passe pas là où il faut. Dans ce cas, ben, si on n'arrive pas à le récupérer sur le dessin lui-même, comme j'aime pas trop foutre du blanco, après ben, la Cintiq est bien utile pour pouvoir faire la correction directement à l'ordinateur en fait. Aurélie, salut Fabien, salut aussi. Moi, je pense que ça vous dérange pas que je lise les vos messages à haute voix, mais pour ceux qui verront la vidéo plus tard, bah, du coup, c'est quand même pratique de savoir qui dit quoi et à qui je réponds. Hein. Au début, je ne le faisais pas, et après avoir réécouté la première vidéo, c'était pas évident. Alors, Dame, salut Fabien, super initiative, merci. Capucine, est-ce que je dessine souvent? Bah oui, je dessine. Bah, oui, je dessine souvent, oui, bah oui, parce que c'est mon métier, donc je fais un peu ça toute la journée en fait. Enfin, si j'ai bien compris la question.
Bon, on va en finir avec cette zone de noir un petit peu relou là. On va passer, si on a le temps, à l'ancrage, enfin à la suite de l'ancrage des noriels. Florian, égal à lui-même, Marie-Claude est dessinée nue à la maison. Tu veux vraiment tout savoir? Donc, à l'heure actuelle, non, parce que j'ai une fenêtre qui est très basse dans mon salon et qui donne. J'ai pas envie de faire voir mes attributs. Je pèse mes mots parce qu'il y a des enfants qui nous regardent à la fenêtre, devant la rue, à tout le monde. Par contre, oui, je t'avoue que quand je vis dans la maison à la campagne complète, oui, en plein été, et que j'avais pas de vis-à-vis, si j'avais envie de me lever à poil le matin et d'aller me foutre à mon bureau, je pouvais. Donc oui, ça m'est arrivé de le faire, ou en peignoir, ou à torse-poil, ou en slip. En général, surtout quand c'est des moments un peu plus froids, je m'habille, hein, bon. Mais je connais Florian, je sais que lui, souvent, il va nu au travail, dehors, hein. Ah, et Capucine, pardon, j'avais pas compris, pour revenir à des sujets plus sérieux, qui me dit, non, ça veut dire, qu'est-ce que tu dessines le plus? Ah, qu'est-ce que je dessine le plus? Ben, en général, ce que je dessine le plus, c'est ce que je dessine dans les BD que je fais. Donc, comme en ce moment, ben, je travaille sur reflet d'acide, forcément, ce que je dessine le plus, ben, c'est du reflet d'acide, hein. Ça va avec les périodes de... Avec les périodes de BD, vu que, ben, voilà, faut gagner sa croûte, hein. Donc, quand je suis sur un album de reflet d'acide, je fais du reflet d'acide. Et oui, j'ai plus de 100 spectateurs, je vous remercie. Florian, j'espère que tu auras apprécié la réponse et les autres, j'espère que vous aurez apprécié également de profiter de ces éléments croustillants de ma petite vie. Bon. Merci beaucoup qui me dit Florian. Genre t'es pas au courant, c'est pas vu assez souvent, hein. Et Peter, effectivement, après le dernier live qui était consacré à un pour tous, c'est intéressant de pouvoir varier un peu les plaisirs. Le dernier live, c'était l'illustration, je crois, pour la page. Pour une des pages de garde d'un pour tous. Donc là, on est vraiment dans de la case pure et dure. Capucine, je t'ai déjà répondu qu'est-ce que je dessine le plus. Bah, ce que je dessine le plus, c'est l'album que je fais en cours. Après, je sais pas si tu veux me demander entre les personnages et les décors, ou quel personnage plus qu'un autre, mais encore une fois, c'est la même chose. Vu que je fais de la BD et pas du dessin pour le plaisir, que c'est mon métier, je choisis pas ce que je dessine le plus. Il faut que je fasse les deux et que je dessine tout le monde en fonction du scénario. Donc, je peux pas répondre à cette question, qu'est-ce que je dessine le plus? C'est pas possible. Et oui, Romain. Par rapport à ton projet BD, bah, j'écoute, je te souhaite tout le meilleur, hein. Effectivement, c'est compliqué, hein, comme tu sais, donc j'espère pour toi que ça portera ses fruits d'une façon ou d'une autre, à un moment. Alors dans Pétulia, la campagne de JBX qui me fait savoir que le maître nous dit c'est bien, son oreille n'est pas trop pointue. Oui, effectivement. Mais elle est quand même plus pointue qu'à l'origine. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, que JBX a toujours réclamé haut et fort que son elfe n'avait quasiment pas les oreilles pointues, voire même pas du tout. D'ailleurs, ça se voit très bien dans les tout premiers tomes d'Orphée d'Acide, Enoriel a les oreilles quasiment rondes. Et progressivement, j'ai gratté un tout petit peu en hauteur quand même pour souligner le côté elfique, mais c'est vrai qu'on est quand même loin
qu'on est loin des elfes que je faisais avant, qui avaient des oreilles pointues, genre qui est 10 mètres de long, façon les elfes dans les chroniques de Lodoss. Hein. Alors, enfin, les chroniques de Lodoss, c'est un vieux manga, je n'ai pas dit que tout le monde connaisse ici, mais voilà, en tout cas, qui a des oreilles d'elfes manga qui sont en général assez longues. Moi, je préférais les faire comme ça. Mais bon, je m'y suis habitué. Fabien me dit merci pour ce live instructif et motivant. Bah écoute, de rien. Ça me fait plaisir. Hein. Moi, ça m'occupe aussi. C'est sympa comme fonctionnalité. Et a priori, j'apprends que certaines petites dragonnes JBXiennes et pétuliennes est fascinée. Bah écoute, à part qu'elle s'y fasse, parce qu'il y a des dessins comme ça, elle va en voir plein dans sa vie. Avec plaisir. Donc, il y a Capucine qui me dit que je dessine trop bien et Romain qui commente en disant que je m'étais vachement amélioré. Bah oui. Enfin, j'essaye en tout cas. Ah, c'est quand même. Récemment, on fait savoir par mes employeurs qu'il fallait que je mette un coup de boost à mon dessin parce que sinon, bah, j'allais pas faire de nouveaux albums. Donc, je me suis mis un coup de pied aux fesses pour m'améliorer quand j'ai fait un pour tous. Et évidemment, les dates d'amélioration de dessin que j'ai fait à l'époque servent aussi pour refaire des acides. Et c'est avec Romain, c'est de quoi je parle, parce que je crois que c'est un des premiers à avoir eu une de mes commandes. Et c'est vrai que bah, sa première commande qu'il a eue, et puis d'autres dessins que j'ai fait depuis, on voit quand même la différence. Dame me dit donc les dessinateurs n'ont pas de week-end. Bah, parfois oui, parfois non. Là, ce week-end, il faut que j'avance, parce qu'on est presque à la fin du mois. Et comme j'ai perdu un peu de temps par rapport aux planches, parce qu'il fallait que je fasse des dessins à côté pour un pour tous, et ben du coup je suis un peu à la bourre sur mon planning. Donc ce week-end je me suis mis au travail. Et puis comme demain j'ai envie d'aller jouer au cinéma, ben, du coup je pourrais pas bosser. Donc. Bon, faut savoir quand même qu'en général, la plupart des dessinateurs que je connais bossent les soirs et les week-ends. Grégory Mailleux, dessinateur talentueux des Twins et bientôt de son autre roman graphique dont je ne connais pas le nom, qui confirme que les dessinateurs bossent tout le temps. Bah oui, hein.
Alice me dit, c'est cool de voir que c'est fait à la main, j'attendais un ancrage sur PC. Bah oui, bah non. Enfin, je l'ai fait, je le fais plus, mais bon, après, l'un ou dans un cas comme dans l'autre, c'est pas forcément plus facile, hein. Donc, moi, j'aime travailler sur papier parce que je suis plus à l'aise. Après, j'ai jamais trouvé les choses plus faciles à faire sur ordinateur. Dans mon cas, je trouve ça plus compliqué parce que j'aime bien quand t'as le grain du papier, donc c'est vrai que. Je sais plus ce que je disais. Je lis les commentaires en même temps et je me perds en cours de route. Je préfère le grain du papier parce que j'y suis plus à l'aise par rapport à un écran liste Cintiq par exemple. Même si il paraît que les toutes dernières se sont vachement améliorées encore. Donc il faudra quand même que je reteste. Mais c'est vrai que je trouve ça triste de dessiner entièrement dématérialisé. Je trouve pas ça marrant. Je sais pas, j'aime bien avoir des. Ça me fait des choses à vous faire voir dans mes classeurs ensuite, voir en vrai comment c'est fait. Accessoirement, de temps en temps, on en vend quelques-uns. C'est toujours ça de prix. On va pas vendre un fichier numérique. Donc non, je préfère à tout point de vue, quel que soit l'angle sur lequel on aborde la question, je préfère largement dessiner sur papier. Ah bah, instant pub donc, Grégory Maillot dont je parlais tout à l'heure, donc je connaissais notamment pour les Twins chez Delcourt, fera un roman graphique qui s'appellera Tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc si je me souviens bien, est grandement autobiographique, ça devrait se promettre d'être assez sympathique. Hein. La Capucine qui me signale qu'il y a plus de 200 personnes qui regardent, et oui, effectivement, ça met la pression. Niveau archives, ça ne déborde pas, parce que tu es archiviste, Peter, qui me demande ça. Ouais, Peter va faire une petite promenade. Alors, tu vois, là, tout le tas de paperasse qui est là. Juste ça, tout ça, là, déjà, c'est une partie, c'est le début de Reflet d'Acide. Tome 7, donc voilà, et là, il y a l'équivalent de 7 pages, à peu près. Plus encore en dessous des illustrations, des commandes, des machins. Donc ça c'est ce que j'ai accumulé bah, ce mois-ci en fait, puisque avant il y avait tout un pour tout ce qui était là et que j'ai rangé loin derrière. Bon là je peux pas vous emmener parce que le téléphone est branché pour une raison de batterie, parce que ça suce hein, le live stream. Donc je peux pas vous emmener voir mes archives derrière. Mais ouais, il y a beaucoup beaucoup de paperasse et ça fait quelques années que ça dure, donc il y a beaucoup de cartons remplis de trucs. Hein. Deux carrés de croquis qui datent depuis bah, les plus anciens, il date des années 2000 à peu près quand j'ai commencé à dessiner dans des carrés de croquis. Donc voilà, ça vous donne une idée de la quantité de papier que j'ai accumulé à droite à gauche. Capucine qui me demande combien j'ai fait de BD. Alors, et ben déjà il faut aller regarder la page Wikipédia le Fab, parce que ou Fabien Dalmasso, je sais plus comment elle s'appelle maintenant celle-là, qui récapitule tout ce que j'ai fait. Mais pour donner un ordre d'idée, si on cumule les albums que j'ai dessinés et ceux que j'ai que scénarisés, il y a une trentaine d'albums de sortie. Et au dessin pur et dur, alors, il y a 4 kilos. Il y a 5, maintenant 6, pas encore sorti au fait d'acide, ça fait déjà 10. Plus oh là, 4 Steam Pop, ça fait donc 14. Plus le 1 pour tout, ça fait 15. Donc voilà une quinzaine d'albums. Ouais, quand même, hein. Ça, voilà une bonne quinzaine d'albums que j'ai dessinés. Dont quelques-uns ne sont pas encore sortis, mais le seront d'ici quelques temps. Bref, je merde le dessin. Il y a PQ qui reprécise que c'est moi qui avais contacté GBX à l'époque pour le. Comment ça s'appelle? Pour l'histoire de qui a contacté qui pour faire la BD. Donc ceux qui reverront la vidéo en replay tout à l'heure, de toute façon, ou plus tard, enfin en replay, elle restera à disposition, auront l'explication complète. Hein, j'avais expliqué les conditions précises de. Comment j'en suis venu au dessin et comment j'en suis venu à faire Reflet d'Acide dans les premières minutes de la vidéo. Enfin, les premières minutes. Les 10-20 premières minutes, je crois.
personnalité précise, effectivement, que je n'ai pas convaincu JBI, je l'ai harcelé. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. C'est un peu comme ça, oui, c'est un peu les deux. Moi, j'ai. Je l'ai un peu. Disons quoi, voilà, je l'ai spammé pour le convaincre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est là que c'est utile dans ce métier d'être capable de tomber beaucoup de dessins très vite quand il s'agit justement de convaincre un scénariste ou un éditeur d'un projet ou chose comme ça, parce que ben, du coup ça montre aussi qu'on s'est bossé et ça met en confiance tout de suite. Allez, à bientôt Capucine qui me dit qu'elle doit s'arrêter parce qu'il n'y a plus de batterie. Et qu'elle m'adore que je suis accessible. Ah, ça me fait plaisir, merci, c'est super gentil. Allez, passe un bon week-end. Profitez-en que je suis accessible. Ça se trouve, un jour, je vendrai des centaines de milliers d'albums et vous serez tellement nombreux que je ne pourrai plus parler à tout le monde comme je fais maintenant. Et ce sera bien malheureux d'ailleurs. Enfin, ce sera bien pour mon compte en banque, mais ce sera beaucoup plus malheureux pour les rapports humains. Dans la rue. Marie-Antoinette qui me dit j'adore l'idée, merci de partager ce moment. Bah écoutez, merci à vous d'être là. Et au revoir Romain qui doit nous quitter également. À la prochaine. Oups, je me suis complètement déporté là. Ça fait un moment que je sais pas, ça fait un moment que je dessine en travers, j'ai pas fait gaffe. J'ai là mon truc ici. Oui, je vous ai. Ouais, faut préciser moi si je sors du cadre parce que des fois je fais pas toujours attention à surveiller en même temps ce qui se passe sur l'écran. Pour ceux qui ont peur de rater les prochains lives, hein, là je vois qu'il y a Romain qui me fait la remarque, je crois que vous avez moyen de vous abonner au live. Hein, ça va être marqué quand vous êtes sur la fenêtre ou un truc comme ça, notification de direct, voilà, en haut à droite de la fenêtre du live. Donc je pense qu'après comme ça peut vous indiquer quand est-ce que j'en refais un autre. Hein. Peter me demande. C'est souvent un truc de gaucher de tourner la page dans tous les sens. Alors honnêtement, j'en sais rien. Moi c'est surtout un truc du fait que. Bah d'une part, là, je suis obligé d'en faire un peu plus de gymnastique que d'habitude parce que sinon je rentre dans le pied de la caméra et je peux pas accéder à mon dessin comme j'ai envie. Donc je suis obligé de garder la main à peu près toujours dans la même position, ce qui fait que. Oula, attention la luminosité. Ce qui fait qu'il faut que je jongle un peu, mais dans tous les cas, je tends à beaucoup la tourner pour une simple raison, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire des courbes autrement que vers la gauche. Enfin, vous voyez, si vous voulez, en gros, si je fais une courbe dans ce sens-là, comme ça marche. Si je la fais comme ça, elle va être foireuse. Donc du coup, j'ai tendance à tourner, 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 jusqu'à pouvoir faire ma courbe dans le bon sens. Donc effectivement, je me balade un peu dans tous les sens au niveau de mes dessins. Vous voyez la preuve? Hop là. Mais non, je pense pas que ce soit lié au fait d'être gaucher ou pas. Voilà, du coup, c'est presque terminé. Alors, Clara Torrens me dit que les droitiers sont pareils. Hein. Voilà, Gilles qui me dit qu'il se sauve. Eh bien, à bientôt, Gilles. Avec plaisir. Tout le monde confirme hein, que, a priori, tout le monde tourne sa feuille dans tous les sens quand on dessine. Voilà. Bon, le dessin est quasi terminé. On va mettre quelques petits traits d'habillage au niveau de la pierre pour donner des petits. Un petit peu de texture à l'ensemble. Permet aussi de souligner le volume arrondi
du pilier. Voilà, quelques petits traits histoire de salir un peu tout ça. Et puis ma foi, ben voilà. Donc en une heure de temps, grâce à vous, vous aurez droit en direct à bon, cette presque case et cette case assez simple. Donc voilà, pour ça, voilà, ça vous donne une vague idée du temps que ça me prend de faire ce genre de choses. Si vous avez quelques questions, je vous donne encore quelques minutes histoire de voir si vous avez des dernières questions à poser. Puis après, ben, comme le dessin est terminé, de toute façon, ben. Je vais déconnecter, hein, quand même, reprendre le reste du cours de ma vie. Parce qu'en plus, il est presque 6 heures. Donc voilà, c'est quelques questions. Je laisse encore quelques minutes et puis on vous les posez, j'y réponds. Dans le même temps, je vais scanner le dessin. Ça sera fait. Ah, bonjour Cyril, bah, qui arrive juste à la fin, malheureusement. Et bonjour à tes petits, toi aussi. Fabien demande si je finis sur un alexandrin. Non, 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 non. Attendez, je vais mettre une petite image de. Hop là, voilà. On va faire comme style on a travaillé. Hop là. Et oui, Estelle, déjà une heure, hein, ça passe vite. Là, vous devriez entendre le bruit de mon scanner. Thomas qui me dit que c'est franchement classe. Bah écoute, merci Thomas. Il y a du monde dans la rue, des petits bébés qui pleurent. Benjamin, GG à toi et merci, c'est magique pour les gens qui, comme moi, dessinent moins bien qu'un manchot. Ah bah, c'est... Oui, c'est chacun son talent, j'ai envie de dire. Hein. Tu fais sûrement des choses que je ne sais pas faire, donc c'est normal. C'est ce que je dis souvent aux gens en dédicace, d'ailleurs. Si moi, je sais dessiner, vous savez sûrement faire un tas d'autres choses. Hop là, numérisation du dessin. Donc là c'est fascinant hein, ce plan sur le matériel. On va le mettre bien. Tiens, je vais vous montrer une archive. Enfin, façon de parler. Voici un stylo. Tac. Hein, c'est le même modèle en plus ancien que celui-ci. C'est donc également un Rotring. Et avec ce stylo-là, en fait, sachez que c'est le tout premier pack Rotring que j'ai acheté quand j'étais à Paris en 2000 pour quand j'ai commencé à vouloir faire de la BVR professionnellement et que j'ai dessiné quasiment tous les albums avec ce stylo jusqu'à ce qu'il me pète dans les mains l'année dernière à mon grand désespoir et du coup que je doive en changer. Donc voici la relique. Enfin, en tout cas pour moi, dont j'arrive pas à me débarrasser, qui a accompagné tout le trajet depuis mes 20 ans jusqu'à mes quasi 35 ans et tout mon parcours BD. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Aurélie ne voudrait pas faire de concours de dessin avec moi, mais par contre une petite passe d'armes, ce serait un plaisir. Bah, écoute, moi aussi, hein, à l'occasion, même si en escrime, je fais de la chorégraphie et peu de combats réels, donc je sais pas si je serai super efficace, mais avec plaisir néanmoins. Sauf quand il s'agit de sortir une épée, moi je suis toujours content. Donc au plaisir d'une dédicace consacrée aux mousquetaires. Est-ce qu'il reste quelques petites questions? Sachant que la vidéo reste en ligne par la suite, donc vous pourrez la commenter aussi. Alors Aurélie qui dit qu'elle fait aussi des scrims de spectacle, les rapières contre épée de cour, ça ne peut que le faire, je suis entièrement d'accord. Sachant que ma rapière, comparée à ton épée de cour, enfin si c'est dans ce sens-là que ça va, ma rapière c'est comme un gros hachoir en comparaison. Ça risque de faire gling-gling, mais ouais, tu vas me prendre de vitesse à mon avis. Mais ça pourrait être sympa. Bon, bah, mon scan est terminé, ça va s'entendre, voilà. Donc je vais vous abandonner. Si vous avez d'autres questions encore après la fin de la vidéo, vous pouvez les poser dans les commentaires, hein, j'essaierai d'y répondre.
Et voilà, hop, une petite dernière, une prochaine dédicace dans le Rhône. Ce sera sûrement vers septembre, je pense, septembre-octobre, pour la sortie des prochains albums où je t'irai dédicacer. Bah, bon, c'est pas, enfin, c'est dans le Rhône, mais c'est pas à Lyon. Ce sera sûrement à Boisdoin, à la librairie Cassiopée, où j'ai déjà dédicacé plusieurs fois cette année. Où je pense les premières dédicaces de 1 pour tous. Bah, là, enfin, 1 pour tous, c'est sûr que je vais dédicacer là-bas parce que je dois. J'ai promis à la libraire que je viendrai en costume de mousquetaire, donc j'ai une obligation, et dans tous les cas, c'est une librairie à laquelle je vais régulièrement parce que je l'aime bien. Donc ce sera là. Après, dans le Rhône, à part Boisdoin, non, j'ai pas de date pour l'instant. Voilà. Donc sur ce, et pour on va recommencer, donc je vous redis au revoir à tous, et les prochaines questions, j'y répondrai, enfin, j'essaierai d'y répondre directement dans les commentaires de la vidéo. Allez, à très bientôt, et bon week-end à tous.